I'm wondering, do you see that as adding to the wealth of, or eventually adding to the wealth of individuals in your country? And related to that, there has been concern expressed in Capitol Hill in Washington about abuses in the mining industry with child labor, and also Amnesty International and Human Rights Watch have come out with reports about abuses in terms of human rights, political rights, and press freedom. Do you think these things and the concern in Congress is going in any way disrupt the effort to allow better use of the minerals in your country for the wealth of the people of your country? Monsieur le Président de la République, vous avez parlé tout à l'heure du besoin de créer de l'emploi et de la richesse. Il y a eu un mémorandum qui a été signé entre les États-Unis, la Zambie et la RDC sur des véhicules électriques. Est-ce que, selon ce mémorandum, ceci pourrait contribuer à la création de richesses au niveau de la RDC? Il y a eu aussi mention d'un certain nombre d'abus dans les zones minières, par exemple l'emploi des jeunes dans cette zone. Aussi, il y a eu des questions qui ont été posées sur la liberté de la presse. Est-ce que ces questions pourraient constituer une entrave à l'exploitation des ressources minières de la RDC, Monsieur le Président de la République? Merci. Oui, bien sûr, nous avons signé ce mémorandum d'entente avec la Zambie et les États-Unis. Évidemment, nous sommes les États et donc les investisseurs sont en train d'arriver, de présenter leurs prétentions pour mettre en place cette dynamique, cette chaîne de fabrication. Je voudrais dire aussi quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en République démocratique du Congo, nous avons décidé, enfin nous allons créer maintenant des zones économiques spéciales. Et donc, dans la région à laquelle vous faites allusion, qui est frontalière de la Zambie, va se créer cette zone économique spéciale qui attirera davantage d'investisseurs qui pourront venir mettre en pratique ce que nous attendons, c'est-à-dire cette chaîne de fabrication de la batterie électrique. Pour ce qui concerne le travail des enfants, et vous avez tout à fait raison, c'est un point qui me touche au plus profond même de mon cœur. Je vous ai parlé ici de la gratuité de l'éducation. C'était justement une des mesures prises pour permettre aux enfants qui sont soit désœuvrés, soit utilisés par les adultes dans ce genre d'activité, de revenir dans le parcours scolaire. En plus des inspections qui sont faites sur les lieux, il y a cela. À côté de cela, nous avons créé l'entreprise générale du cobalt. C'est une entreprise qui réunira tous les travailleurs, les artisans, les artisanaux dans les mines. Et donc, ils seront répertoriés, tous ces travailleurs artisans dans les mines, ils seront répertoriés, pris en charge au niveau social, soins de santé, salarial. Et donc, cela nous permettra d'avoir un contrôle sur cette population et d'extirper les enfants et des femmes, parce que aussi il y a des femmes enceintes et autres, de ces activités. Enfin, par rapport aux libertés de la presse, j'aimerais vous dire que je suis un grand partisan de la liberté de la presse, et pour preuve, depuis que je suis à la tête de la République démocratique du Congo,
je n'ai raté aucune célébration de la Journée mondiale de la presse. J'ai toujours été là, aux côtés des journalistes. J'ai présidé, inspiré les tenues, la tenue plutôt des états généraux de la presse congolaise. Lesquels états généraux ont donné lieu à une nouvelle loi pour la première fois depuis 27 ans. On n'avait plus eu de loi. Cette loi a l'avantage d'être moderne parce qu'elle prend en compte les médias, les nouveaux médias. Cette loi a l'avantage de renforcer la liberté, les libertés des journalistes. Et cette loi, ainsi que la politique que nous avons vis-à-vis de la liberté de la presse, a permis à la République démocratique du Congo de gagner en 4 ans 30 places au classement de Reporters sans frontières, qui est une association de crédibilité internationale. Nous sommes passés de la 154e place sur 180, je crois, pays, à la 124e place en 4 ans. Et n'eût été les violations dont sont victimes les journalistes à l'est du pays à cause de la guerre, je crois que nous aurions fait un bond encore plus impressionnant et nous serions peut-être dans les 100 pays qui... du classement de RSF. Donc, je crois qu'il y a quand même des choses à reconnaître, même s'il y a encore beaucoup à faire, de part et d'autre d'ailleurs, du côté de l'État, comme du côté de la corporation des journalistes. Mais soyez-en sûrs, j'ai toujours prôné le fait que les journalistes, la presse, soit le quatrième pouvoir, et j'y tiens. Nous avons besoin de la presse, une presse objective bien sûr, pour nous aider à gérer au mieux les intérêts de notre pays. Voilà. Docteur Djibri, pour la traduction s'il vous plaît. Of course we have signed the memorandum of understanding with Zambia, the United States. But those were the countries that signed the MOU. Now, investors are arriving in order to put in place a system that will lead to the implementation of the MOU itself. I'd like to come back to something that I had not mentioned before, which is that in DRC, we have created special economic zones so that when you talk about Zambia, at the border with Zambia, we have created special economic zones that will enable the population to benefit a lot more from the implementation of the MOU. When you talk about child labor, this is a matter that touches me in the deepest sense of myself, because this is why I pushed very hard to make sure that universal basic education is implemented in my country. And by giving access to education, we wanted to make sure that all children who are in very difficult circumstances are extracted from those difficult circumstances in order for them to come to education. So this is something which is very, very important for me. I feel very, very strongly about it. We have put a system when it comes to mining
We have put a system of grouping all those who are working in mines together in order to provide them with certain social conditions. And by providing those social conditions, we also have an idea of who's working in the mining areas. And by so doing, we know whether there are children working in there, and also even women, because there are pregnant women also who may be working there. So that gives us clearer idea about how to confront the situation. When it comes to press freedom, I've always been a great supporter of press freedom through a number of measures. One, I've always been on the side of the media whenever there have been a World Day for the media. I have always made sure that I'm with the media in that connection. But also we had a general review of the media in my own country, which led to the adoption of a law that was much more progressive, a law that was much more progressive than the past 27 years. That law enabled us to bring into the focus new media, which was not there, enabled us to reinforce the freedom of the press and other aspects. That's why when the organization called Reporters Sans Frontières did its review, in 4 years, DRC gained 30 seats. It went from 154 out of 180 to 124 right now. So of course there have been violations of media in the eastern part of the country. Had it not been for that violation, maybe would have been in a better place. So that I've always made sure that wherever I am, that a special place is given to relationship with the media, because through reporting, balanced reporting from the media, this will enable us to govern our country in a balanced manner. Voilà, merci. On va prendre des questions par série parce que le protocole nous informe que le président de la République est attendu à 16h30 aux Nations Unies. Avec le trafic new-yorkais, on va essayer de compresser les questions. La prochaine question est de Madame Christelle Salomé d'Al Jazeera. Christelle Salomé, Al Jazeera. Elle est partie. Elle n'est pas là. Alors, on va prendre la question de Marc Perelman qui sera suivi de Monsieur Yassine Najjar. Voilà. Marc Perelman first. Marc est parti, alors Christophe va poser la question. Christophe Bois-Vivier pour Radio France International. Bois-Bouvier. Bonjour Monsieur le Président. Merci de recevoir toute la presse américaine et internationale à ce déjeuner de presse. Vous avez dit votre attachement à la démocratie, vous avez dit combien vous étiez fier d'incarner la première alternance démocratique sans effusion de sang dans votre pays, c'était en 2018-19. Et voilà que dans 3 mois, vous êtes candidat à une nouvelle élection présidentielle. Les Congolais votent et vous voulez que ce soit un grand rendez-vous avec la démocratie. Mais toutefois, Monsieur le Président, est-ce que il y a deux arrestations qui ont eu lieu ces derniers temps? L'arrestation en mai dernier de Salomon Kalonda, le bras droit de l'un de vos principaux adversaires à venir, Moïse Katumbi. Et est-ce que l'arrestation il y a 10 jours de notre confrère de Jeune Afrique, Stanis Boujakera, et ceci en dépit de la nouvelle loi que vous avez fait voter sur la protection des sources des journalistes, loi à laquelle vous êtes très attaché, est-ce que tout cela ne risque pas de ternir votre bilan? Quels sont les engagements que vous pouvez prendre de ce point de vue pour votre campagne et éventuellement pour votre second mandat si vous êtes réélu? Thank you very much, Mr. President.
for inviting the international media to this press lunch. You have. On va prendre la question de Yacine Adjar sur la même table. Comme ça, le président pourra répondre. Thank you so much, Mr. President. Thank you for inviting me to come to this boardroom, the press conference. First of all, you give us today something we never think about that and never heard about it. The uranium we have it in Congo, that's an important country, and help the United States. And you are more welcome, you're going to have the power from here. For the election, if it's a free country and fair election, you will make it. Believe me, you have very good charisma, and you look good. Take my word, and don't forget that name, Yacine Adjar in USA. You're gonna win, and you will make it, just let me know. I guess everybody understands what I'm talking about. Yes. Pour cette dernière série, on va prendre les questions de Michael Kavanagh, de Bloomberg. Bonjour, Excellence. Merci beaucoup pour m'avoir. Michael Kavanagh avec Bloomberg News. Je vais poser une question sur les investissements. Toi, parti en fait, d'abord sur le contrat chinois, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails de cette révisitation? Et aussi sur Inga, la même chose. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi des négociations avec l'Arabie Saoudite maintenant. En quoi consistent ces négociations? Et est-ce que les États-Unis font partie de ces négociations aussi? Avec l'Arabie Saoudite, vous êtes sûr? Peut-être que je me trompe. Ça, c'est la question. Nous avons de bons rapports avec les Américains, bien sûr. Et ils ont manifesté aussi un besoin de venir investir en République démocratique du Congo, mais c'est pas encore du concret. Et il y avait un voyage, n'est-ce pas, d'une ministre de... Oui, bien sûr. Il y a eu un ministre saoudien qui est venu et qui a vraiment dit cela. Mais nous ne sommes pas encore dans le concret, comme par exemple avec les Émiratis. Là, avec les Émirats, on est bien avancé. Ok, peut-être que vous pouvez parler des Émiratis au lieu de ça. Merci. Je peux poser la question à l'envers aussi pour vous aider. Just to ask three questions about investments. The first is on Inga, the dam project. The second is on the revisitation of the China contract. And then the third was going to be about Saudi Arabia, but apparently those negotiations aren't happening. So I asked about the negotiations with the UAE. Thank you. Merci. Voilà. Donc, oui. Allez-y, s'il vous plaît. Non, non, mais il faut que je recommence par le voix bouquée. Christophe. Pour dire que moi j'ai un principe. C'est celui de la séparation des pouvoirs. Et je crois que en occidental, convaincu et convaincant, vous comprenez bien ce que je veux dire. Je ne me mêle pas de ce qui se passe avec la justice. Mais évidemment, comme le dit la Constitution, je suis le magistrat suprême. Sans juger, bien sûr, je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques. Et donc je dirais que dans les deux cas que vous citez, ce sont des enquêtes qui sont en cours. Ce serait hyper maladroit de ma part d'oser faire un commentaire là-dessus. Tout ce que je fais et ce à quoi je veille, c'est que les droits de ces individus soient garantis et respectés. Maintenant, si on me prend
on arrive à me démontrer que leurs droits n'ont pas été respectés, je suis prêt à aborder le sujet. Mais une interpellation par une institution comme la justice, ça se constate. Pourquoi voudriez-vous que le même principe, par exemple pour la presse, j'ai lu d'ailleurs il y a quelque part là, qu'il y a quelques 2 ans peut-être, je crois, une journaliste française avait été interpellée pour avoir divulgué des informations stratégiques, interpellée et gardée à vue. C'est récent. C'est récent, oui. C'est hier, aujourd'hui. Hier ou avant-hier. Un peu plus loin, il y a Julian Assange aussi, ouais. Qui avait émis et qui a été traqué comme une bête immonde parce qu'il est allé se cacher dans des ambassades, notamment en Grande-Bretagne, mais on l'a traqué jusqu'à le point parce qu'il avait divulgué des câbles diplomatiques stratégiques. Quoi de plus mal que la justice essaie de s'intéresser à ça? D'autant plus que pour le journaliste Stanley Boujakera, qui est un jeune homme que j'aime bien, pour la petite histoire, il a couvert notre campagne au moment de ma campagne électorale. Je dis notre campagne parce que nous étions en coalition avec l'UNC de Vital Kamerhe. Il l'a couvert, il était de tous les combats avec nous. Donc vous voyez que j'ai de la sympathie pour ce jeune homme. Je regrette ce qui lui arrive. Mais je ne peux pas faire entrave à la justice et ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. D'autant plus qu'on parle de mort d'homme là. Rappelez-vous, Chérubin Okende, ancien ministre, qui a été mon collaborateur pendant longtemps, très apprécié d'ailleurs par moi, est mort dans des circonstances suspectes, qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore élucidées, malgré le fait que nous avons fait appel à des enquêteurs internationaux belges, par ma demande personnelle adressée au Premier ministre belge, sud-africain, français aussi, un élément se trouvant en poste à l'ambassade du Congo et la MONUSCO, à l'ambassade de France au Congo plutôt, et la MONUSCO. Et malgré tout ça, on prend le risque de désorienter l'enquête et l'opinion, donc je crois que ça peut intéresser la justice. Quant à l'autre cas, malheureusement, nous sommes en situation de guerre, nous imposer par le Rwanda, et la justice s'est intéressée de très près aux accointances qu'il y aurait entre ces personnes, entre cette personne et nos agresseurs. C'est ce que je peux dire à ce stade sans vraiment violer le secret de l'instruction. Parce que je tiens à la séparation du pouvoir, mais en même temps, je tiens au respect des droits des personnes qu'on interpelle, des personnes qu'on accuse. Donc, j'espère que c'est clair. I have always had a principle of making sure that there is separation of powers. I would not like to be part of what is going on within the justice system. I can find out what is going on and make sure that whoever is in the hands of justice has got his or her rights properly defended. And if their rights are not defended, I will make sure that this happens. Of course, there have been examples of French journalists who had been arrested recently. And then you may recall also the situation of Julian Assange, who was sought after, and he went to India to take refuge in an embassy. Juste m'arrêter à ce niveau-là. Vous me permettez de dire, comme je citais ces deux cas, c'était pour demander à Monsieur Boisbouvier, pourquoi est-ce que lorsque ça arrive en Occident, c'est normal? Et quand c'est en Afrique, on pense qu'il y a anguille sous roche, qu'on est en train de violer les libertés des gens. Autant, ce sont les mêmes circonstances. I just wanted to give this precision to the
journalist who asked the question, just to say, when something like this happens in Europe and is regarded as normal, that the person, the journalist who has done this situation is sought after, and then when it happens in Africa, it's regarded differently. I know Sunny. He was part of our campaign when we were in the coalition, and I have the biggest sympathy for him, but I cannot really interfere with what the justice of my country is doing, especially when there has been loss of life. One of my own staffers, who was very, very close to us, lost his life. Up to today, we do not know the circumstances of the death of that staff. And we've asked for the cooperation of Belgium, of South Africa, of France, of MONUSCO, but until now, we do not know exactly what happened to that person. And of course, we're also in a situation of war that was imposed on us by Rwanda, which is not facilitating the situation. Alors, la deuxième question. La deuxième question, c'était plus, je pense, la question de M. Yassine, c'était plus un encouragement. Je n'ai pas noté de particulière question. Merci, Yassine. Et la dernière, c'est celle de Michael Carabin. Oui, Michael, permettez-moi de ne pas parler ici des termes des contrats entre la République démocratique du Congo et ses entreprises chinoises, parce que d'abord, je n'ai pas fait partie des négociations, mais j'avais tracé, simplement comme je l'ai dit ici, une ligne qui montre les principes que je défends. C'est-à-dire, nous voulons un partenariat qui soit gagnant-gagnant, win-win. Jusqu'ici, nous avons constaté, et je ne suis pas le seul à le dire, je vais parler de l'inspection générale des finances, qui est tenue et dirigée par un homme vraiment brillant, Jules Alinguete, pour ne pas le citer, qui a fait le constat que depuis que nous avons contracté cette entente avec les Chinois, les entreprises chinoises ont gagné près de 10 milliards de dollars et la République démocratique du Congo n'est même pas à 1 milliard. Donc, c'est vraiment disproportionné comme un partenariat et il fallait rééquilibrer cela. Récemment, j'ai effectué un voyage en Chine où j'ai parlé de cela. Nous avons donc rééquilibré les choses. Et nous avons été heureux de constater que nos partenaires chinois étaient disposés aussi et ont compris que la République démocratique du Congo avait raison de regarder les choses dans cette manière. Et ils ont fait le constat malheureux que jusque-là, malheureusement, avant nous, il n'y avait pas ce genre de considération. Donc ce n'était pas à eux de faire le travail des Congolais à la place des Congolais eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ont été enthousiasmés par l'idée, la proposition de la République démocratique du Congo de revoir ce partenariat dans le but de faire aussi gagner la République démocratique du Congo. Et nous sommes repartis de plus belle dans une nouvelle aventure, cette fois-là sûr d'être satisfaits et de ne pas laisser un des partenaires frustré sur le côté. Alors, à propos d'Inga, comme vous le savez, Inga, c'est notre fierté, c'est le rêve africain. Si nous réussissons à le développer dans toutes ses phases, 8 phases il faut, je crois que Inga peut devenir la lumière de l'Afrique. Malheureusement, nous sommes encore en difficulté de mobiliser les investissements. Nous avons eu un partenaire qui nous a fait
rêvé pendant un certain temps. Il s'agit de la société Fortescue de Andrew Forrest, un Australien, que je vais sûrement encore revoir peut-être ici à New York, m'a-t-on dit. Mais bon, les négociations sont un petit peu à l'arrêt, on va dire, parce que pour plusieurs raisons qui ne sont pas convenables à dire ici. Mais nous continuons d'espérer, d'autant plus que, par exemple, la Banque mondiale a de nouveau manifesté son intérêt, ce qui nous réjouit. Lors de mon passage en Chine, j'avais aussi réussi à susciter l'intérêt des Chinois. Je crois qu'il ne serait pas impossible que demain, on voit une sorte de consortium se dessiner, se former autour de la Banque mondiale, des investisseurs chinois, peut-être européens, parce qu'il y a peut-être encore des intérêts là-bas, pas encore très manifestés, et cet Australien qui continue à vouloir venir dans cette aventure. Mais lui, c'est surtout pour le posting, c'est-à-dire la production d'hydrogène vert. Vous savez que l'hydrogène est très prisé et sûrement le combustible de demain. Donc voilà, nous sommes pour le moment dans ces zones-là, rien de concret, mais des intérêts manifestes, intérêts africains aussi, comme nos amis sud-africains, qui sont, comme vous le savez, en difficulté en ce moment par rapport à l'énergie, et qui seraient intéressés aussi de venir dans cette aventure. Et nous ouvrons la porte à tout le monde, parce que nous savons que le projet INGA, c'est un projet global, c'est un projet qui va intéresser plusieurs partenaires et avoir des retombées sur plusieurs pays en Afrique. Et donc, nous laissons la porte ouverte à tous ces partenariats et le moment venu, canaliser les bons partenaires pour impulser ensemble et réaliser ce projet. Alors, vous avez parlé des Saoudiens d'abord. Mais Émiratis après, oui, avec les Émirats, nous sommes dans plusieurs partenariats. D'abord, les mines. Je vous ai parlé ici de Primera Gold, cette joint venture que nous avons fait ensemble et qui nous permet aujourd'hui de juguler sérieusement le trafic illicite de l'or produit au sud Kivu. Nous sommes également pour parler pour d'autres secteurs, les minerais 3T, le cobalt et le cuivre, mais ça c'est en discussion pour le moment. Nous sommes en partenariat dans notre système de défense. Les Émiratis nous ont énormément aidés à ce point. Nous pouvons dire avec fierté aujourd'hui que nous avons réussi à renforcer les capacités de nos forces armées et pouvoir d'ailleurs faire face à l'adversité. Si la guerre n'a pas avancé jusqu'à Goma, cette agression rwandaise, ben, c'est parce qu'il y a eu une réplique ferme de nos forces armées au mois de mars et qui a un petit peu fait réfléchir nos agresseurs. C'est entre autres grâce à ce partenariat avec des Émirats Arabes Unis. Il y aura aussi des domaines tels que l'agriculture, le numérique et l'éducation. L'éducation, nous y sommes déjà avec le programme Aleph des Émiratis qui consiste à enseigner à nos enfants par des tablettes. Plutôt que de les faire transporter les cartables habituels, ben, ils viennent rien qu'avec des tablettes et l'enseignant peut produire ses leçons à travers ce moyen-là. Les parents peuvent également avoir accès à cet appareil pour réussir à suivre leur enfant. Donc voilà le modèle sur lequel nous sommes en train
de réfléchir. Il y a du côté congolais déjà une commission qui s'est planchée dessus, qui a été aux Émirats pour voir. Les Émirats qui sont venus en République démocratique du Congo. Et si tout va bien, nous pourrions lancer une expérience pilote au mois de novembre en prenant 52 écoles. Nous avons 26 provinces en République démocratique du Congo. Nous choisirons deux écoles, deux grandes écoles par province où nous allons expérimenter cet enseignement en espérant que dans les années qui viennent, on pourra le généraliser. Voilà ce que je peux dire en substance quant à ce qui concerne les relations avec les Émiratis. Le soutien pour l'armée, c'était financement ou c'était les armes ou c'est quoi exactement? Oui, l'équipement et formation. Docteur Djibril, dans une minute, on prend les deux dernières questions. Vous intervenez à la fin parce qu'on court derrière le temps. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. We have the Emirates. You mentioned the Saudis, but in fact, it's much more the Emirates. I mentioned earlier the fact that we have addressed the issue of illegal traffic of gold in South Kivu, and also we have the issue of cobalt and copper as well, and reinforcing the capacity of our armed forces. If our army has such a strong response that the other side could not advance beyond Goma, and then in the area of education, we have a provision of platforms of computers that will enable our students and our parents to have access to education. 26 provinces across DRC. We hope to take two schools in each one of the provinces as a test, which will be then launched very soon. Voilà, merci pour la rapidité. On va prendre rapidement les questions de Madame Daphné de Reuters et de Monsieur Peter Cotter de Voice of America pour terminer. Thank you, Mr. President. Back on the case of Stanis Bojikera, has this case come up specifically in conversations with your counterparts in the United States? And has press freedom and liberties in Congo more generally ahead of the elections come up in counterparts of Washington as well? Thank you very much, Mr. President. Peter Clotin from Voice of America. My question is, your government has expressed concern about atrocities your government says M23 has been causing in the eastern part of the country. If peace returns, what is your vision for the eastern Congo? And then secondly, a lot of people have expressed skepticism about the upcoming elections. What assurances are you going to give your compatriots, the Congolese, about the elections, and your international partners about the elections in December, so to speak? Thank you. Merci. Docteur Djibril. Est-ce que, Monsieur le Président, dans vos consultations avec Washington, la question de la liberté de la presse a été soulevée? C'est une question de Reuters. Et pour la voix de l'Amérique, vous avez exprimé des préoccupations par rapport aux atrocités qui ont été commises, continuent à être commises à l'est du Congo avec le M23. Quelle est votre appréciation à ce niveau? Et il y a des questions qui sont posées sur un certain degré de scepticisme par rapport aux élections en décembre. Quelle est votre appréciation à ce niveau? Merci. Bon, depuis que je suis là, je n'ai pas encore rencontré d'officiel américain. C'est normal. Nous sommes ici pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais je crois qu'en marge de celle-ci, il y aura sûrement des rencontres. Et donc, je ne peux pas encore vous dire si cette question sera posée. Mais si elle est posée, je répondrai de la même manière que j'ai répondu à M. Wabouvier. Je voudrais ici souligner que jamais
je ne serai le fossoyeur, l'assassin de mes compatriotes. Je suis venu à la tête de ce pays pour promouvoir les droits et les libertés de mes concitoyens, les droits et les libertés des femmes. Je ne suis pas là pour venir faire souffrir ma population. Je suis moi-même issu d'un mouvement politique qui a énormément souffert de dictatures, de violences et de beaucoup de choses, comme des arrestations arbitraires et tout cela. J'en connais les horreurs, je ne peux pas le souhaiter pour un compatriote. Je ne le ferai jamais. Donc, comme je l'ai dit, je veillerai à ce que le droit soit respecté, mais en même temps, lorsqu'on a affaire à la justice, il faut répondre à celle-ci. I come from a political movement where our movement has suffered a lot in terms of being subjected to dictatorship, violence. So I feel very, very strongly that I will never be part of what will try to destroy the lives, to assassinate my country fellows. The respect of the rights and freedom is something very, very important, and I will make sure that this is respected. But at the same time, as I mentioned before, it will be impossible for me to interfere with the workings of the justice system itself. Alors, à propos du M23, j'aimerais vous dire que c'est un groupe de criminels qui est embarqué dans une aventure qui elle-même est criminelle, emmenée par M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et c'est parce que ce sont des criminels que nous n'allons jamais négocier ou entrer dans un dialogue quelconque avec eux. Je l'ai dit suffisamment, répété à plusieurs fois, et je vous le confirme à nouveau. Ils ont commis beaucoup d'atrocités, et ils continuent d'en commettre d'ailleurs. J'espère que la justice internationale, un jour, qui est saisie d'ailleurs, un jour pourra mettre la main sur ces criminels. Je me réjouis d'ailleurs que, et vous remercie d'avoir posé cette question, parce que ça me permet de pouvoir ici, encore une fois, féliciter les États-Unis d'Amérique qui viennent de prendre une sanction de taille, d'importance, contre le Rwanda en mettant fin à la coopération militaire avec ce pays. Parce que le Rwanda... Le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons, ça suffit. Plus de 10 millions de morts, des millions, voire des milliards de dollars de pillés en ressources naturelles, minières comme agricoles, ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités. Et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays-là. Donc nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à défendre notre pays et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Congo. Alors, il y avait un autre volet
à votre question, c'est... Les élections. Oui. Les élections. Oui. Bon, le scepticisme, je ne sais pas de qui il vient, parce que tous nos partenaires, États-Unis, Europe, tous ont dit